Chers téléspectateurs et amis, bonjour, bonsoir, bienvenue sur HPM Haitian Public Media. Moi, c'est Abner Gelin. Jeudi, c'est lundi. Nous comptons pile parce que nous ensemble. On rentre tout de suite dans tous les grands dossiers qui ont fait actualité à travers le monde. Nous avons entré dans Beyrouth, Liban, côté que ce n'est pas deux démonstrations qui gagnent. Le peuple a pris la rue, l'a demandé pour que l'autorité dans le pays soit capable de démissionner. Vous devez comprendre que depuis longtemps, il y a passé misère. Il y a une élite groupe dans le pays, ça, et bien c'est eux-mêmes qui ont joué. Tant qu'au Haïti, en l'air, ils ont mangé bien, ils ont vécu bien, ils ont gagné de l'argent, belle machine, pendant ce temps, peuple à lui-même l'a souffri. Explosion, ça qui fait là, lui prouvé incompétence pays, ça. Et peuple a déclaré, il n'a pas quitté ça tomber, il n'a pas quitté l'occasion, ça a passé, ça n'a pas montré force, yo. Et c'est comme ça qu'il prend la rue, avec toute force, yo. Il a marché, il a fait démonstration, il a demandé pour que démission de toute autorité dans le pays. Sans distinction, actuellement, ce n'est pas deux dans eux-mêmes qui ont quitté. Il y a un pile ministre qui a quitté, il y a un pile sénateur qui a quitté. Et je crois que aujourd'hui, là, je peux regarder ça, mais je me compte qu'il y a l'autre toujours qui démissionne dans le pays Liban. Montant qu'on y a là, 158 moun qui mourent, 6 000 moun blessés à l'hôpital et 300 000 pas gen kay. Explosion ça, c'est pas un petit bagage que lié. C'est donc comme te kadi, c'est un zam nucléaire qui est détonné dans la ville ça. Tout y a moun krasé kay, krasé bagay, c'est pas deux dépenses qui moun sa ou pas le fait. Même côté, te gen pile gros autorité dans tout pays qui te réuni, puis yon connaît comment ou pas le faire, puis yon semble kop, puis yon aide pays. 300 millions de dollars déjà relevés ensemble, vous avez mis ensemble 300 millions de dollars, puis vous aider le peuple. Là. Mais le problème, c'est que comment vous pouvez faire sûr que l'agence a tombé dans les mains de c'est pour mettre ça que Macron lui-même a fait. Emmanuel Macron, président français, il était venu. Il promet Mounio que l'agence a pas entré dans les mains qui fait corruption dans le pays. Il dit que comme ça, nous promet à nous-mêmes qu'il va tomber dans main nous, mais pas privé dans main élite là. Le problème, c'est que comment Macron va faire ça? Parce que le pays a un gouvernement, malgré que le gouvernement est incompétent, mais quand même, il a un gouvernement. Est-ce que France pourra occuper Liban? Parce que c'est cette façon, ça peut-être penser, il est capable de faire sûr que l'argent ne va pas tomber dans ma main. Mais si le pays a un propre gouvernement, il n'est pas difficile pour promettre ça capable de faire. Et c'est ça qui fait que, en pile autorité dans le monde entier, dit, déclaration ça libelle, mais comment Macron peut le faire qu'il mot ça? Parce que le pays a son pays que lié. Il faut l'argent ça passer dans le même monde, dans même autorité. Yo. Mais le plus gros groupe dans le pays ça, qui est en pile, mon abgade, c'est Hezbollah. Hezbollah, lui-même, c'est un groupe qui est en pile pays considéré comme terroriste. Et, moun sa yo, yo fait comprendre pendant toute année sa yo qui est dans le pays, si l'argent peuple la qui a gaspillé, et yo se zami Iran 100%. Et c'est ça qui fait que Iran déclaré, li mandé, on demande qu'il fait. Iran dit comme ça que, moi ta vle immédiatement, que les États-Unis lui-même, li retire toute sanction qu'il mettait sous Liban. Il a dit pour les États-Unis de retirer les sanctions qu'ils mettaient dans le pays. Parce que le pays a connu là, selon l'Iran, il a besoin d'un souffle. Mais il n'y a pas de comprendre que les sanctions que les États-Unis ont sur Liban, le Libanon, j'en ai là, c'est à cause de Hezbollah. Parce que Hezbollah, c'est une terroriste organisation qui supporte l'Iran. Eh bien, les États-Unis n'ont pas appelé ressources à aller joindre Hezbollah pour que ne pas supporter l'Iran. Mais l'Iran a un peu d'intérêt pour que le mandat pour les États-Unis retire les sanctions sur le Liban. Mais cependant, les États-Unis ont déclaré, l'Iran n'a pas aucun droit pour vous demander de nous faire des choses comme ça. Puisque c'est ça qu'on a demandé, eh bien, Mike Pompeo a déclaré, nous pourrons augmenter les sanctions sur l'Iran. C'est ça qu'il dit. Il dit que nous pouvons augmenter plus embargo sur l'Iran qu'on y a là.
Parce que l'Iran n'a pas aucun droit pour l'entrer dans le bagage. Mike Pompeo a déclaré aussi, nous-mêmes avec Arab League Land. Arab League Land, c'est une organisation, un groupe qui fait et tout le monde dans le Moyen-Orient, le groupe pays, fait partie de lui-même. Il dit que Arab League Land nous parle avec eux, ils sont d'accord avec nous, ça c'est Mike Pompeo qui parle. Ils sont d'accord avec nous que les sanctions sont même doivent augmenter. Et ils dit aussi qu'ils ne pas accepter ou même avec nos armes nucléaires dans le Moyen-Orient. Parole ça que Pompeo dit, je ne peux pas dire 100% que c'est vérité que lié. Malgré que une partie vérité là-dedans, parce que pas tout le monde dans le Moyen-Orient qui t'a voulu que l'Iran gagne un nucléaire d'armes. Il y a aussi Israël, of course, et puis il y a un petit pays tout. Mais lorsqu'il fait comprendre que toute Arab League là, il est allié avec elle pour aller contre l'Iran, ça n'a pas 100% vérité. Parce qu'il me comprend qui j'ai en situation derrière. Seul bagaille qui nèg derrière dit si tout Arabie Saoudite li déclarer si Iran gagne nucléaires armes li même tout il t'a supposé gagner tout parce qu'il besoin protéger tête pâle capable comprendre ça mais l'autre pays yo dit que yo on sorte d'hypocrisie comme j'ai là tout parce que Israël gagne armes nucléaires dans sens ça yo t'a avlé que tout l'autre pays yo si gagne si on gagne tout t'a gagné mais ça va créer un gros désordre. C'est ça qui fait qu'on y a là, eh bien, les États-Unis campent. Et ils disent que l'Iran nous va augmenter sanctions sur eux-mêmes pour les armes avec l'autre bagage qui est capable de permettre qu'ils rejoignent les armes nucléaires. Comme moi déjà dit, mes amis, l'Iran a une force qu'on y a là parce qu'il a un accord avec la Russie et aussi la Chine déclaré qu'il ne va pas aider. Ça fait l'Iran sentir que le grand monde et les États-Unis pas gagné assez force pour t'amender pour le quitter ça le veut faire. En coup ça là n'a suivi situation ça là. Et ne va faut qu'on ait toute bagaille qui a déroulé. La Chine déclaré semaine ça là. Yo mettez sanctions sur 11 autorités américaines. Monsieur Sayo, c'est moun qui t'a parlé contre la Chine pour décision qu'elle prend pour contrôler la liberté de Hong Kong. Et la Chine dit que bagay ça, il pas regarder les États-Unis. Et monsieur ça, il pas aucun droit pour essayer augmenter tension dans le pays. On l'autre pire gros bagay encore qui fait, c'est parce qu'il était gagné une autorité, un citoyen des États-Unis, un gros officiel qui était entré Taïwan, qui a parlé avec le gouvernement Taïwan. La loi dans la Chine en ce qui a trait à Taïwan. Il pas gain droit négocier l'autre bagaille avec l'autre pays, si pas un représentant de la Chine qui l'a pour le temps de laisser parler. Et bien, ces bagailles, ça, il y a là qui a un problème. Parce que Hong Kong, c'est un pays démocratique que lié. Malgré que yo en dans la Chine, mais c'est un pays qui a un propre système pâle. Mais la Chine n'a pas voulu accepter bagaille ça du tout. Et c'est ça qui fait que le met une série de lois qui pour contrôler qui ça a fait. Par exemple, yon nan loi yon kel passe ya, di parle de collusion. Ça veut dire que on moun ki al jouen avec l'autre moun, ki al fait complot avec l'autre moun. Et qui sare le complot? On nous dit comme ça que un journaliste ta bay nouvelle à un pays étranger. Pour yon même, ça c'est complot. Et dans ce sens, ça, moun sa ta mérite arrêté et jeté dans prison. Et c'est ça qui yon fait semaine ça là. Moi, c'est hier dimanche là, pour jouer jeudi là. Yon arrêté un journaliste qui ta bay nouvelle. Il dit comme ça que monsieur c'est un espion que lié ou bien on traite parce qu'il pas supposé violer nous loi ça passe ça c'est nouveau loi passé sécurité loi relèl loi sécurité ça lui permet qu'on y a là que la Chine gagne pouvoir pour arrêter une série de monde qui a critiqué de vous critiquer la Chine ou c'est un zouave ou son traite et il pas traiter ou et juger ou dans même balance avec moun qui fait crime traître. Et c'est ça fait qu'on y a là journaliste moun k'ap parle k'ap fait opinion piece moun k'ap parle de série de bagay moun k'ap étudier bagay droit humain k'ap parle avec pays dans l'autre pays ou pas en sécurité en bas la Chine
parce que loi ça il passé spécialement pour capable limiter liberté que monde capable gagner. Donc c'est ça là qui créait tête fait mal pour pays aux États-Unis. Parce que c'est eux-mêmes travaillent c'est éparpillé démocratie dans le monde. Dans le d'un côté que la Chine a Taïwan, Hong Kong, ces pays ça lui-même c'est un pays qui ont senti qu'ils ont chance que de influencer le système et communiste là pour ta commencer bay mon liberté pour venir un pays démocratique. Mais éteindre lumière ça qui t'a jailli là dans Hong Kong là, dit qu'on t'a fait mal et aussi dit diminuer progrès qui t'a fait. Et c'est ça qui fait qu'on y a là les États-Unis, il pas senti qu'il pas laisser ça tomber facile. Et il a puni la Chine pour que la Chine capable laisser tomber ambition ça. Même quand on fait connait, c'est pas seulement les États-Unis qui pas veulent la Chine faire ça l'affaire. Nous capable faire nous comprendre bien. En pile gros pays tout pas veulent, surtout pays dans zone contre la Chine. Parce que il y a dans ouais que action ça que la Chine a prend, c'est une action qui peut non seulement menacer Hong Kong et Taïwan, mais aussi cap menacer tout l'autre pays dans zone. Ça veut dire que il y a tout aussi il n'y a pas en faveur action ça. Et c'est ça qui fait qu'il y a un peu de monde dit, Trump mal fait bagay là. Il a supposé créer un multilatéral et groupe qui d'accord sur même bagay yo, pour tal contre la Chine. Le ça, tu as gagné plus succès. Mais, il ne voulait pas crédit pour être parle, là, il est même seul, il a imposé des sanctions et la Chine aussi. A poser des sanctions et ça vient faire que tout ça que l'a fait, il n'y a pas de valeur. Et c'est cela, situation qui est vraiment difficile, non seulement pour les citoyens qui vivent dans la Chine, mais aussi les citoyens qui vivent aux États-Unis, parce que les sanctions qui baillent, ils aussi et permettent qu'un pile business aux États-Unis souffre tout. En Haïti, l'ambassade américaine décide que les bails, ils pinga à gouvernement haïtien pour faire sûr que citoyens américains et intérêts américains dans le pays a pas subi rien qui mal. Je dis que vous remarquez que le pays ça pas un président, il pas un leader. Trois crimes a fait, c'est gang qui prend pays a. Et hier il a déclaré, il dit tout citoyen américain pour pas entrer dans le pays d'Haïti. Et aussi dit, moun ki en Haïti, affaire l'Américain en Haïti, sou ka oti ka oti ko. Parce que Haïti n'est pas un pays qui est capable de faire confiance, qui peut bay sécurité à eux-mêmes. Gros parole, actuellement, limitation de échange de moun qui peut entrer et sortir dans le pays. Américain actuellement, il interdit pour entrer dans le pays. Et il mandé pour le gouvernement immédiatement pour prendre des actions pour capable bail sécurité à Mounsayo. Peut-être qu'on y a là puisque c'est américain qui dit nous souhaitons qu'il va faire parce que le plus souvent c'est Mounsayo entendait. Les Mounsayo parlait a essayé entendait. Qu'on y a là me souhaiter eh bien président avec toute cabinet là police et sécurité dans pays là va faire ça au capable pour yo bail sécurité aux américains. Parce que c'est eux-mêmes qui demandent de sécurité, ou bien c'est au besoin dans un sens, parce que Haïtien a lui-même pour diable. Il n'y a pas à menacer pour le président du pays, tu as la sécurité. Donc, moi, c'est Abner Gelin. Que bon Dieu bénisse. Bye bye.